Eh ouais, vous commencez à l'avoir repéré cette musique, hein. Une fois de plus, on y retourne donc. Où ça? Comment que vous êtes? Mais comment que vous êtes au bando de coquins? En 1981! Oui, 1981, le Minitel, tout ça. Au milieu de ce bordel et des bornes d'arcade qui proliféraient, bah, on avait quelques titres qui arrivaient à se tailler une part du lion. Oui, parce qu'elle ne faisait pas que recopier ce que faisait le voisin bêtement. Et au lieu d'avoir des ROM plus ou moins inspirés, on avait vraiment des produits originaux. C'est le cas pour Gorf. Oui, Gorf, c'est le jeu qu'on va voir aujourd'hui. Il a un nom très très rigolo, mais il est aussi très marrant sur son gameplay, puisque même s'il invente rien, même s'il va repomper à droite et à gauche, il va oser le mélange des gameplays. Une chose qui était un petit peu rare, puisque en général, quand on avait un jeu avec un vaisseau qui tire en haut, pendant tout le jeu, on faisait que tirer en haut. Là, le jeu va essayer de nous emmener sur des territoires un petit peu plus vastes. Est-ce que ça va être bien fait, mal fait? Alors ça, aucune idée. Je n'ai jamais joué à Gorf de ma vie. On y fonce. Comment ça, j'ai oublié d'enlever le fly? Mais non, pas du tout, regardez. Alors, on a un Space Rank. Et je suis invité à un grand voyage, regardez-moi ça. Donc oui, ça commence, c'est du Space Invader plus. Ça continue, c'est du Galaxian moins. Et après, je sais pas ce qu'il y a. Donc du coup, le jeu, bah, du Gyrus-like. Fallait oser. Du coup, je suis très curieux de savoir si le jeu est jouable. Et apparemment, ça a dû être le cas, puisqu'il a fait partie de ses tout premiers jeux qui ont été des hits d'arcade et ont été à fond la caisse convertis pour les ordinateurs et les consoles de salon. Vous n'avez pas le son très haut, j'ai l'impression. On va corriger ça. Bah oui, je partage toujours. Feu. Oh, et de surcroît, il fait partie de ces jeux de tir. Il faut garder le tir appuyé, sinon votre laser s'arrête dans sa course. Il traverse pas l'écran. Donc, si je veux que mon tir aille en haut, faut vraiment que je garde le bouton de tir enclenché à chacun de mes tirs. C'est assez perturbant. Ça va se passer. Oh, le jaune, jaune sur bleu là, c'est. Comment dire? C'est risqué. C'était propre. Étrangement trop propre. En plus, ça me donne 5 vaisseaux. Je la sens pas. Oh. Oh. Les enfants, là. Et son tir reste une fois qu'on l'a buté en plus. Alors c'est rigolo parce que c'est carrément écrit en bas. Hein. Vous êtes dans la partie Galaxian du jeu. Je me demande s'il va y avoir une partie centipède. Parce que du coup on a une énorme compile. Et je pense que c'est ce qui a fait bah, la grande part de succès de ce jeu. C'est qu'effectivement, le môme, que ce soit sur un micro ou sur une console, en une cartouche, il avait l'impression d'avoir trois jeux. Bon, après, niveau copyright, je ne sais pas si c'est très très legit tout ce qui s'est passé là-dessus. Mais tout est que ça existait, que c'était marrant, et que c'était sur le marché. Alors, la partie Gyrus, oui, alors la perspective là, à base de Mouya. Oui, c'est une perspective à base de Mouya. De son vrai nom. Il a intérêt à les shooter quand ils sont petits parce que. Ah, et en plus, il s'énerve. En cuivre, cuivre, tu rentres chacun. Un vaisseau piloté par quelqu'un à jeun ne tombe pas comme ça. Je te dis tout de suite, mon bonhomme, ne la fais pas. J'en ai vu des vaisseaux, je te le dis. Je suis en train de dire en bas comment ils avaient appelé ça la partie Space Warp. Ok. C'est vrai que Gyrus n'était pas encore sorti.
Et donc du coup, on reconnaît l'inspiration. Finalement, ouais, ça a évolué dans une pseudo-perspective circulaire, un boss. Ça a évolué dans une pseudo-perspective circulaire, un vaisseau, c'est pas une idée qui était... qui date de Jirus, elle date de bien avant. Oh, putain. J'aime le finir s'il faut que j'enlève tous ces pixels à lui. Alors c'est plus lifté que des ailes. Je pourrais pas faire la tourelle qui tire ça. Ce serait bien qu'on voit après. Voir si le jeu boucle ou s'il ose m'emmener plus loin. Pouvait toujours s'approcher. Donc voilà ce qui était gore. Différents petits gameplay sur une bande d'arcade, ça devait être marrant parce que ça évitait d'avoir 4 bandes d'arcade. Et je le dis, sur les systèmes à la maison, bah, ça a dû marcher du feu de dieu parce que ça évitait de pirater, de acheter, pardon, 4 jeux. Oui, ça n'existait pas le piratage dans les années 80. Non, non, pas du tout, jamais. On ne se faisait pas des compilations de jeux sur des cassettes audio. Jamais ça ne serait passé par l'idée. Des compilations qu'il fallait d'ailleurs recharger les titres, il fallait repérer à l'oreille et bien laisser des blancs de quelques secondes pour qu'on faisait avance rapide, qu'on entende le trou de vide pour se dire ah ça y est, c'est la fin du programme précédent, c'est le deuxième, donc c'est bon, je peux le charger celui-là. Toute une époque. Gorf, est-ce que tu es sélectionné? Pour les nostalgiques, on va dire oui, mais pour la plupart des gens normalement constitués, ce titre ira très très bien reposer à la malle au grenier, dans laquelle il sera sur le dessus, pour faire partie de ces choses qui nous rappellent une époque qui est révolue, mais qu'on ne regrette pas tant que ça finalement quand on voit l'évolution du gameplay sur d'autres jeux plus récents. Playlist, bouton d'abonnement, moi je m'enfuis de ce pas. Ciao.